Pierre Béloche, je vous aurez deux partants dans ce quintet. On commence par parler de Forme Méloi qui vient de renouer avec le succès. C'était pas vraiment une surprise avant le coup. Non, non, le cheval avait bien couru la course précédente, enfin une course avant, en étant un petit peu malheureux pour finir. Et là, il confirmait ce qu'on attendait de lui, quoi. Et avant cette victoire, il y avait une sortie sur le parcours qui nous intéresse. Un échec, mais il était ferré. Bah, il rendait 25 mètres pour pas grand chose. C'était une course ferrée. C'est difficile à ce niveau-là. Quand on est ferré, c'est toujours difficile d'être vraiment à 100% de sa valeur. Donc une course à ne pas tenir compte. Et là, dans la foulée, il découvre un bel engagement. Ah oui, c'est une belle course. À peu près les mêmes. Hein, donc il suffit de rester au trot. Il avait battu Fakir du Donjon dernièrement. Fakir du Donjon l'avait battu lors de son avant-dernière course. Il oui, voilà, c'est des chevaux qui se tiennent. Bien que la dernière fois, il a quand même été très bon au forum. S'il refait cette valeur-là, c'était vraiment le forum qu'on estimait il y a 2 ans et demi. Il a eu une longue traversée un petit peu du désert. Et il y a 2 ans et demi, il avait ce comportement-là d'être supérieur aux autres. Et il n'y a pas de raison qu'il ne la refasse pas, cette course, comme vous le dites. Bah non, on n'a pas de soucis à l'entraînement. Le cheval est magnifique, il est souple, il a le moral. Donc on espère le voir à nouveau dans les 3 premiers. Oui, disputer la victoire, ça serait logique. Bah oui.